6 bonnes raisons de devenir infopreneur. Salut, c'est Rémi, créateur du site Web Marketing Frenchy pour redevenir libre en devenant infopreneur. On va voir aujourd'hui 6 bonnes raisons pour que vous aussi deveniez infopreneur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'infopreneur rapidement? C'est une personne qui vend des informations, soit qu'elle connaît par une passion, par une expertise, par des compétences qu'elle a, ou alors qu'elle collecte sur un sujet donné, et souvent pour apporter une solution à un problème qui bloque beaucoup de gens. Alors, la première raison pour devenir infopreneur, c'est la liberté financière. Pourquoi? Parce que déjà, il y a plein de gens qui vont acheter vos produits parce que vous les aidez vraiment à résoudre leur problème, un problème spécifique. Deuxième raison, c'est que vous vendez ces produits relativement chers. Ça peut être 50, 100, 200. Parfois, il y a des produits qui se vendent jusqu'à 500 ou 1000 euros, voire même plus. Vous créez rapidement de nombreux produits et ça fait bondir votre chiffre d'affaires puisque vous cumulez comme ça le nombre de produits. La deuxième raison pour devenir infopreneur, c'est la liberté géographique. Parce que finalement, vous travaillez absolument d'où vous voulez dans le monde. Et un petit peu comme moi, où je travaille souvent à Bali, donc sous les cocotiers par exemple. Vous n'êtes pas cloîtré dans un bureau toute la journée et vous choisissez aussi vos horaires de travail. Vous travaillez quand vous voulez. Vous avez donc la troisième bonne raison, c'est la reconnaissance parce que les gens, ils vont vraiment vous apprécier parce que vous les aidez. Vous les aidez à résoudre leurs problèmes. Deuxièmement, vous avez une communauté de fans qui vont acheter vos produits et vous sortez des environnements hostiles, des collègues, si vous êtes salarié, des collègues qui sont jamais contents de vous, où il y a toujours quelque chose qui merde et qui cloche. La quatrième raison de devenir infopreneur, c'est l'importance. C'est que vous devenez finalement quelqu'un d'important, une référence pour les autres, en leur apprenant des choses qu'ils ne savaient pas auparavant. Et vous êtes perçu comme une personne de valeur parce que vous pouvez leur apporter beaucoup, vous pouvez leur apporter des nouvelles choses qu'ils ne connaissent pas. Et comme ça, vous vous sentez plus mis au placard comme certains salariés qui sont dans l'indifférence générale. La cinquième raison pour devenir infopreneur, c'est que vous apprenez, c'est la progression, vous apprenez sans cesse des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, des nouveaux savoir-faire pour pouvoir ensuite redonner aux autres. Et vous vous améliorez comme ça en permanence votre expertise et aussi votre pédagogie pour savoir comment transmettre aux autres de mieux en mieux. Et comme ça, vous avez même plus l'impression de stagner intellectuellement. La sixième et dernière raison pour devenir infopreneur, c'est la contribution. Parce que finalement, vous apportez votre contribution à ce monde en partageant votre savoir et vous aidez réellement les gens à résoudre leurs problèmes. Et vous laissez vraiment votre empreinte dans le monde, contrairement à certains boulots salariés où finalement vous êtes oublié très vite et vous brassez de la paperasse et vous laissez aucune empreinte de votre passage dans l'entreprise. Donc voilà les 6 bonnes raisons de devenir infopreneur. Alors maintenant la question qui se pose, c'est comment on devient infopreneur? Eh bien tout simplement en créant un produit d'information, en commençant par créer un produit d'information. Et je vous explique, j'ai une présentation si ça vous intéresse d'aller plus loin, qui vous explique comment créer un produit d'information qui va vendre et comment le créer en un seul après-midi, même si vous débutez, même si vous pensez que vous n'êtes pas expert dans un domaine et que vous pourrez ensuite vendre facilement 100 à 200 euros. Si ça vous intéresse, il suffit de cliquer sur la fiche qui s'affiche en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien qui est dans la description pour voir cette présentation. Donc je vous retrouve tout de suite. Salut et excellente journée à vous.